Cette journée scolaire de la non-violence et de la paix est célébrée chaque année dans les établissements scolaires primaires, secondaires et les universités de différents pays. Elle est célébrée chaque année le 30 janvier, anniversaire de la mort de Mahatma Gandhi. C'est une action éducative, non gouvernementale, qui a été fondée par le poète espagnol Llorens Vidal en 1964. Le message fondamental est le suivant. Vuelvo a la paix, c'est s'entraider. Pour moi, la paix, c'est respecter les autres. Pour moi, la paix, c'est respecter les avis différents. Vuelvo a la paix, c'est ne pas faire vouloir vouloir la guerre. Selon moi, la paix évoque l'amour. La solidarité est un pilier de la paix. La paix se diffuse aussi par la politique. La paix se réussit à bien s'entendre. Selon moi, la paix se construit grâce à l'éducation. Répandre la paix, c'est respecter la différence. Créer la paix, c'est aussi savoir faire confiance. La paix, c'est faire preuve de tolérance. La paix, Dieu permet de l'amour, des droits de chacun et chacun. Pour parvenir à la paix, la justice est nécessaire. Selon moi, la paix, c'est l'égalité de toutes et tous. Pour moi, la paix évoque l'amitié. La paix, c'est aussi la fin d'harcèlement scolaire. Pour moi, la paix, c'est combattre l'injustice. La tolérance et le partage rendent la paix possible. Pour moi, la paix, c'est se tendre la main. Vouloir la paix, c'est apprendre à écouter les autres et à les comprendre. Transmettre la solidarité, venir de construire la paix ensemble. Pour moi, construire la paix, c'est construire un monde meilleur pour tout le monde. Vouloir la paix, c'est aussi savoir pardonner. La paix commence par le respect des personnes qui nous entourent. La paix naît aussi de l'espoir et des rêves. Parvenir à la paix, il faut unir nos forces. Répandre la paix, c'est se battre pour la liberté de chacun et chacun. Créer la paix, c'est apprécier de nous diviser. Selon moi, la paix, c'est faire preuve de gentillesse. Souhaiter la paix, c'est aussi ne pas insulter les copains et copines.